Alright tout le monde, je suis Jason R et on se retrouve sur la suite de Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Donc on est au deuxième monde et avant de commencer, j'aimerais remercier tous et celles qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également, ça m'aide beaucoup, j'apprécie énormément, donc un grand merci à vous. Et puis nous, ben on continue ça, donc c'est parti avec le premier niveau du deuxième monde. Partir à l'aventure. J'ai beaucoup de plaisir à ce jeu, jusqu'à maintenant. Très le fun. Boom! Je l'adore Donkey Kong, c'est vraiment un de mes personnages préférés de Nintendo aussi. Oh! Ah, t'es sérieux? Hey, Dixie. Une vie. Moi j'aime bien récupérer les vies. Au moins je vais pouvoir mourir puis de pas trop me soucier un peu de mourir. Et voilà. Une autre vie. Bon, on va continuer. Je peux faire quoi avec ça, moi? Ah, je dois rouler dessus. Là, il y a Didi, donc je sais pas si c'est utile que je l'aille avec moi ou non. C'est fou, je récolte même pas les Kong. Oh yeah, j'ai pogné la pièce. Oh, je pensais que je pouvais... Mais... Il s'est pas agrippé. Je vous jure que je me suis agrippé. Je me suis agrippé au moulin. Ben, à la corde. Ah, c'est pas le fun ça, c'est poche. J'aimerais bien avoir Dixie, pour vrai. Ah là, j'ai pas pogné ma pièce. Dommage. Oh, il a fallu que je reste ici. Oh! Moi, je pensais que c'était une plateforme bien ordinaire. Moi, j'ai pris, en fait. Moi, j'ai sauté, puis je voulais agripper la corde. Ça aurait marché? Non? Ah, le con. Thank you.
Oh my god, c'était bien cool ça. Yes. Juste léger. Moi j'ai juste fini mes niveaux. C'est l'Halloween? Ah, j'aime bien mieux Dixie. Allez, Dixie. Je la trouve plus utile un peu. Oh, les rhinocéros! Non! Oh my god. Là, comment je fais pour le faire, là? J'ai stressé, moi, là. Oh, elle peut voler avec! Oh my god, une chance. Je savais pas, ça, que c'était possible. Je sais pas pourquoi je dis ça, je joue même pas à Mario. What? Mais non, come on! Bon, mais bye bye! Wow, c'est complètement con ça. Moi, je suivais mon chemin, man, je courais, ça allait bien, puis lui il a décidé: non, non, tu te fais pogner par une météorite, puis tu décèdes. Là, j'ai perdu Dixie en plus, là, je pourrais même pas voler comme j'ai fait. Ouais, c'est poche ça. Ok, je savais pas que la boule de feu elle me pétait de même. C'est un checkpoint. Est-ce que je peux aller ici? Oui. Yes.
fois il scrappe mon speed un peu, ça me fourre. Hey, je suis vraiment juste des fois dans mes jumps, ça n'a pas de sens. Saute pas loin, man, quand que je cours pas vite avec le rhinocéros. Boom! J'aime son entrée. Vraiment cool. Ah, t'es sérieux? Dixie! Ah oui, mais j'aime d'arriver devant toi, là. Oh, t'es... Aïe, aïe, t'es-tu sérieux? Je prends le temps de jumper super haut, puis là, il y avait un petit bloc qui me bloquait, donc j'ai tombé au grand complet en bas. Wow, c'était beau, ça. Là, je me ferai pas pogner, et voilà. Et merde, parce que l'autre s'en vient. Ah, j'ai pu juste monter ici comme ça. Pas grave. Attends, je garde. On va se pogner de la vie un peu. Ah. Ah, c'est le fun de la vie. Ok, là. Ok, non, c'est une flûte. Ah. Tiens. Merci pour le cœur. Oh, ça passe proche. Ouch. Ah ben oui, mais je savais pas, moi. C'est même bizarre, c'est bien cool, ça.
Yeah, c'est une vie. Vas-y, on lâche pas. Débauche de bûche. J'oublie tout le temps d'aller en arrière des fois. Hein? Je l'ai fait dans le premier niveau parce que je me suis souvenu de trucs. Là, après ça, j'y allais plus. J'aime ça ces niveaux-là, mais en même temps, pas tant. Des fois, c'est dur. Au moins, on a des checkpoints. Ben j'ai sauté, je t'ai dit de sauter, niaiseux. Non. Mais... Ah yeah, ça se contrôle tellement pas bien que la bûche. Je reste sous l'eau pendant 5 secondes, Colin, puis j'ai de la misère à faire ce que je veux qu'il fasse. Là, j'ai perdu des xis, ça fait chier. Encore manqué. Oh. Ah, je me suis baissé, dude. Pas juste. Saute. Aïe, ça se contrôle pas bien. Un checkpoint, s'il vous plaît. Ça me tente pas de tout recommencer. Fiu. Oh merde. Je pensais flèche chaude dessus là. Ah. Là c'est rendu un jeu de plateforme bizarre là. Hey, ça change trop vite. Moi j'ai pas l'habitude de ces jeux là. Ça change trop vite. J'essaie de me concentrer. Mais le temps de réaction, faut que c'est quand même assez vite, je trouve. Ah, je l'avais oublié. Je ne crois pas. Ah. Si. Good. On l'a eu. Pas si mal. C'est cool. J'aime ça ces niveaux-là quand même. Oh, qu'est-ce qu'on a ici? La Funky Len. Ça, c'est pour Dixie, hein? Il va me remonter le moral. Ça, c'est pour Dixie, ça, je crois. Ah non, même pas. Ça n'a pas rapport. Ne cherche plus Dixie, elle, là. Ouais, mais ça, si je m'achète de ça... Là, si je meurs, est-ce que j'ai encore voir des ballons rouges ou ça se passe comment, ça? Si je tombe dans le vide, ça va me faire revive. Mais ça me fait revive déjà, fait que je sais pas trop, là.
Écoute, on va l'essayer. Ça, c'est quoi ça? Ça me donne du plus? Un cœur, tu devrais pas trop. Et ça, t'en emparer. Ajoute un cœur à votre réserve. Valable pendant tout le niveau. Bon, c'est pas si pire, ça pourrait. Là, j'avais goût de tester les ballons. Je suis pas sûr s'il fallait que je. Ok, non, j'ai. Non, j'ai encore des ballons rouges en fait. Fait que si je tombe dans le vide, ben ça va être correct après, je pense. Non, allez. Il reste deux niveaux là, je crois. Dangereux dirigeable. Oh non, t'es sérieux? Hop. Ah, je pensais que je pouvais le sauter dessus, mais non. Je pense souvent que je peux le sauter dessus. J'aimerais ça qu'ils fassent un jeu de ce style-là, ben pas de ce style-là, mais avec les mêmes graphismes, mais à Donkey Kong. Genre comme le style de 64. Oh wow, c'est bien cool ça. Ah, les niveaux sont vraiment le fun. Oh wow, on est rendu haut là. Oh, phew. Oh wow, c'était beau ça! Yeah! Ding Ding Kong! Voilà. Oh, cool.
C'est cool ça. C'est juste que je pense à les grab tout le temps. Moi c'est des affaires que je pense pas, c'est de grab mes trucs. On va attendre ça que ça tombe. Hop, et voilà. Merde. Non, en plus je me suis laissé tomber. Ah, j'ai ça quand ça arrive. J'avais pas un ballon vert, moi, il me semble. Il a peut-être fallu que je me l'équipe. Ah, c'est vrai, j'ai pas d'Xy. Moi, je pensais que je l'avais encore avec moi. Je pensais faire des double jumps. C'est pas ça quand on perd notre personnage. Tu sais, dans le checkpoint, là, elle était avec moi, en fait. Là. Elle devrait rester avec moi. Et voilà. Hop. Oh, allez, let's go. Ah ben oui, mais ah ça me faut, man! Moi là, j'avais l'idée de tomber sur la plateforme, je tombe sur l'ennemi, fait que là je fais un petit double jump, tu comprends? Puis là, le petit double jump m'a comme ralenti dans mon élan, ça m'a comme buggé, là. Là, je suis comme, ah non, je suis pas sûr que je vais me rendre. Là, je me suis dit, ah non, je me rendrai pas. Puis j'ai comme buggé. Ah, j'aime pas ça quand ça me fait ça. J'en ai besoin, merci. Dixie, allez, viens. Il t'attend. Je m'en fous là, des Kong, moi je suis concentré là. Oh, ça c'était cool pareil. Oh, ça traîne de chier. Bon, ça a pas marché. Je suis extrêmement concentré, par exemple, dans des jeux 2D comme ça. Le hurleur? Non, le ululeur. Ok. Le ululeur des hauteurs. C'est beau. Moi, je garde Dixy. Non. Ok, mais ça fait quoi ça exactement?
Ok, j'ai compris. Je sais pas s'il va être fâché. Et mec, ça est dans une phase plus forte. Il va faire mon attaque spéciale. Yes. Et voilà. Oh, oh. Ok, non, je pensais que... Ah, ça marche pas. Quand j'ai vu que je pouvais pas l'esquiver, là je savais où aller. Ouch, je pensais pas qu'il allait voler, il vole pas d'habitude. C'est pas super comme boss, c'est bien. Encore fâché. Ah, on est haut là. Bon, je sais pas trop quoi faire là. Mais je fais quoi, man? Comment tu veux que j'esquive ça? Non. J'ai récupéré mon cœur, tu sais. Tiens. Ah yes, un cœur, merci. Le mec qui me lance ses plumes. Je me rapproche. Oh! Ouh! Ah ben oui, mais je sais dessus moi ce que ça tombe. Mauvais. Non, ça ne pognera pas. Ça me tente pas de perdre Dixie. Yeah.
Et on est rendu au troisième monde. Hell yeah. Alright. Bon, donc nous autres, on va cesser là-dessus. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Donc un grand merci à ceux qui ont pris le temps de regarder. Un grand merci à ceux qui prennent le temps de liker et qui s'abonnent également. Ça m'aide beaucoup et j'apprécie énormément. Donc un grand merci à vous. Et puis nous, on se retrouve pour la suite. Donc restez à l'écoute, à la prochaine. Ciao.